Yahoo Bidivancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture d'un colis d'abonnés. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait et ça me fait plaisir du coup d'en ouvrir un nouveau, surtout que c'est une personne qui me suit depuis un petit moment, donc, enfin un petit moment, même très longtemps je dirais, donc ça me fait encore plus plaisir parce que je me dis que c'est vraiment quelqu'un sur du long terme et ça fait plaisir toujours d'avoir... Même si je ne demande pas spécialement à avoir des cadeaux, mais c'est vrai que ça fait toujours plaisir, en fait, dans ce sens-là, où tu sais que c'est quelqu'un qui te suit depuis un petit moment et qui a vraiment envie de t'offrir un cadeau. Et je sais en plus que c'est une personne qui m'avait demandé ça il y a pas mal de temps, s'il pouvait ou pas m'offrir un cadeau. Donc, voilà. Bref, toujours est-il. Merci. Voilà, on va faire du simple. Hein. Donc, on est avec Frédéric. Je vais juste... Voilà. Enlever, parce qu'il y avait un autocollant avec son adresse. Donc, voilà à quoi ça ressemble. J'ai très très hâte de découvrir ce que ça peut être parce que vraiment, comme je dis, c'est une personne qui me suit depuis un bon moment, hein, je dirais bien peut-être 5 ans quand même. J'ai un doute, mais bon. Allez, hop, j'ai massacré l'enveloppe. Oh, cool, c'est emballé et en plus, il y a une petite lettre avec. Ah oui, c'est vrai. Non, c'est juste que j'ai vu le des bisous et c'est vrai que cette personne-là, Frédéric, du coup, finit toujours par des bisous en fin de message. Je suis désolée de ne pas avoir pu t'envoyer un bubble tea, mais j'espère que ça fera plaisir tout de même. Ça aurait été un peu compliqué, je pense, de m'envoyer une boisson. Je te montre comment c'était présenté. J'ai aperçu quelque chose à travers. J'ai aperçu un panda. Bon, je pense qu'il n'y a plus besoin d'expliquer que je suis accro au panda. Oh, non, c'est trop beau. Oh, c'est trop mignon. Oh, je pense que c'est carrément la pyrogravure. Avec de la peinture et je ne captais, j'avais pas vu, j'avais juste vu moi le panda avec le chapeau et les bambous et donc du coup il y a un bubble tea et donc c'est un carnet avec des pages blanches. Oula, mais ah oui, ça a été fait à la main je pense, tout simplement, j'allais dire autre chose mais oui, ça a été fait à la main, ça a carrément été fait à la main à mon avis. Alors ça a été acheté, mais je trouverais ça bizarre que ça ait été acheté parce que on voit très clairement qu'il y a, comment dire, là, il y a plein de petits blocs de pages et tout. Oh, mais c'est trop beau. Est-ce que ça rentre? Oh, ça. Ça rentre pas, c'est trop grand. Mince. Sinon, j'aurais mis en exposition, mais ça rentre pas. Mince. Mais bon, je sais où je vais le mettre. Il va aller dans mon bureau en exposition. Parce que je n'oserai jamais y toucher ou l'abîmer. Parce que c'est juste trop beau. Donc, juste un énorme merci. J'ai pas plus de mots. Que merci parce que vraiment, juste, je trouve ça magnifique et là, c'est totalement personnalisé, ça se voit et tout, c'est dingue. Vraiment dans le détail et tout. Incroyable. J'essaye de ne pas pleurer. Je sais pas si vous l'avez capté, mais j'essaye vraiment de fuir le truc, de pleurer. Voilà, c'est vraiment jusqu'au détail comme ça. C'est juste magnifique. Bref, donc merci beaucoup pour ce cadeau. Je n'ai pas plus de mots à dire que ça. La vidéo est très rapide. J'ai pas envie de l'arrêter. Allez, soyons sérieux. Cette vidéo est à présent terminée. J'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir. On like, on commente, tout mon partage. Même le moindre petit commentaire fait toujours plaisir et ça me permet de voir que vous êtes toujours là. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. Je te mets la précédente vidéo ouverture de colis d'abonnés et la playlist parce que je trouve ça important de les mettre en avant, les personnes qui prennent le temps justement d'aller jusqu'à envoyer un colis. Et n'oubliez pas que même prendre le temps déjà de laisser un petit commentaire, même si c'est que des emojis ou si c'est juste un mot, ça me touche déjà énormément parce que je sais que vous êtes là.